est entrant dans le 20e arrondissement, là, sur un endroit où on tient régulièrement d'ailleurs un point de rencontre, de lancer la consultation citoyenne qu'on veut déployer dans tout le pays. Et l'accueil est très sympathique et très étonnant. Beaucoup de gens sont surpris qu'on leur demande de remplir ce questionnaire, mais sont décidés à le faire. Il y a des gens qui prennent le temps de le remplir sur place alors qu'ils sont en train de faire leur course au marché, et d'autres qui l'emportent en nous disant qu'ils nous le ramèneront dimanche prochain, parce que c'est un endroit où on est régulièrement. Et il y a un grand intérêt pour ça, et puis ça provoque des discussions au-delà de remplir le questionnaire sur la situation à gauche, sur comment obtenir une primaire où on est vraiment la parole, sur comment s'en sortir dans cette situation. Les gens, on les sent inquiets mais désireux d'ouvrir des perspectives et très satisfaits qu'on leur demande leur avis, qu'on leur demande de remplir ce questionnaire. C'est accueilli avec beaucoup d'intérêt par ceux qu'on doit, et surtout une grande satisfaction qu'on leur donne, qu'on leur demande leur avis, qu'on leur donne la parole. Parce que c'est aussi ça qui ne supporte pas. Cette consultation, elle a cet objectif. Évidemment, elle ne le remplira que si nous la déployons dans le pays tout entier. 500 000 questionnaires remplis dans toute la France, ce sera un événement politique avec des restitutions locales, des restitutions publiques, des restitutions nationales qui vont permettre progressivement de donner de la voix aux exigences populaires. Et c'est ça, au fond, la clé de la situation actuelle, redonner la parole aux exigences populaires, leur redonner de la force et de la visibilité dans le débat politique, faire que ce soit ça qui fasse l'agenda politique et pas toutes les manœuvres politiciennes qu'on entend un peu partout, à commencer par celle du gouvernement.